Dans la ville de demain, les objets sont connectés. Ils communiquent et on peut les écouter, sans fil, sans consommer beaucoup d'énergie, sans danger. Ils se parlent et nous parlent sur le même réseau. Le réseau M2OCity. Dans la ville de demain, on peut écouter les compteurs d'eau et de gaz naturel qui suivent en permanence les consommations et nous signalent immédiatement les fuites. On écoute les canalisations en sous-sol, on peut contrôler la qualité, les conteneurs de recyclage qui disent qu'ils sont pleins, les places de stationnement qui disent qu'elles sont libres, les capteurs qui mesurent la qualité de l'air, la température, le bruit, l'électricité. C'est facile de faire communiquer les objets, car ils sont tous connectés. Dans la ville intelligente, tout parle. Tout parle et tout nous parle. C'est bien plus facile pour gérer les réseaux de la ville, les consommations et tout l'environnement. Les habitants savent ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Ils savent très bien ce qu'ils consomment. Et on peut inventer plein de choses encore pour être connecté et vivre mieux dans une ville plus intelligente et plus durable. Les villes de demain, elles sont déjà très nombreuses aujourd'hui à vivre connectées avec M2OCity, le réseau télécom local dédié aux objets communicants. La ville de demain est déjà connectée par M2OCity.